Si son excellence, l'excellence Sarah Kouyaté était présent, vous savez pertinemment, ça trouvera aujourd'hui qu'il est présent ici. Ça c'est sûr. Vous savez, l'ingratitude, on ne dort pas la nuit. Le matin, tu dis que tu es devenu ingrat. On fait sciemment. Le PDG RDA, c'est une fierté pour tous les peuples de Guinée. Ce que le PDG RDA a fait, les Guinéens doivent être reconnaissants. Il faut reconnaître d'abord l'effort fourni par le grand révolutionnaire, le héros de l'Afrique, feu Ahmed Sékou Touré. Je pense que ce que lui a fait, je ne dis pas que ça ne sera pas fait, mais donner la dignité, la fierté aux Guinéens, c'est grâce à lui et ses compagnons. Donc, Monsieur le Président, il nous a chargé de transmettre notre reconnaissance, notre remerciement à ce grand parti PDG RDA. Et ça, c'est que nous nous reconnaissons les efforts fournis. Certains condamnent la façon de prendre notre indépendance. Mais après nous, 2 ans après, tous les autres pays que nous parlons aujourd'hui, nous faisons la comparaison entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, de la façon dont ils ont pris leur indépendance, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils nous dépassent, mais ce n'est pas la réalité. Après nous, 2 ans après, et aussi ils ont demandé, parce qu'ils ont compris que avoir la liberté, c'est mieux que d'avoir la richesse dans la pauvreté, d'avoir la richesse dans l'esclavage. Donc c'est pour vous dire qu'on doit être d'abord reconnaissant, reconnaître les efforts fournis par feu Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. C'est très important pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc je ne serai pas long. C'est pour dire qu'aujourd'hui le pays a besoin de la cohésion sociale. Vous savez, Sékou Touré, on peut l'accuser de tout, mais il a été un digne fils de la Guinée qui a préservé tous les biens de la nation. Il n'a jamais accepté de brader. Moi, son fils, Mohamed Touré, il a travaillé, il a étudié avec mon frère, même père, même mère. Lui, il était à Kolowendi. Mohamed Touré marchait à pied avec mon frère là pour aller à l'institut. Le fils d'un chef d'État, c'est pour vous dire qu'il a mis tous les Guinéens au même niveau, au même pied d'égalité. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les autres fils, et même les ministres, des secrétaires nationaux, des directeurs, étudient ailleurs. Lui, il a dit que mes enfants doivent étudier en Guinée comme les autres fils des paysans de Bundara. C'est lui qui a fait ça. Donc on doit être reconnaissant. Donc au nom du bureau de l'étude nationale, au nom de son excellence de l'Assemblée nationale Priati, merci. On souhaite bonne fête de l'indépendance à tous les peuples de l'île.